mortels et entravés par des problèmes de toutes sortes. Mais toi, tu es Dieu, car la Bible nous dit, pas grand-chose qui a campé devant comme défi, pas grand-chose qui a surpris nous. Même j'en te dis avec Abraham, pas grand-chose qui a étonné. T'en prie, s'il te plaît, fais grâce, car quel que soit côté l'église ou est sous la terre, on va étendre main bénissant tout, mais puissant tout, autour de ton œuvre, autour de ton église, afin que Seigneur Dieu, l'église va camper debout jusqu'à ton prochain retour. C'est bon Dieu dans celle là ou l'autre fois encore à soi, par la nom nous, à cœur nous, à l'esprit nous, pour nous capables de consoler, guérir, sanctifier, bénir et servir par-dessus tout. Parle avec nous pour nous rester debout. Parle avec nous, Seigneur Dieu, pour nous camber persévérance. Parle avec nous pour nous marcher dans la crainte. Parle avec nous, Seigneur Dieu, pour nous nourrir de notre espérance, pour nous nourrir de ce grand rendez-vous qui n'est autre que le rendez-vous de l'éternité. Parle avec nous, Seigneur Dieu, pour renforcer notre conviction. Parle avec nous pour nous rester comme étant un soldat à la manière du prophète Amos qui était à son poste. Parle avec nous pour nous capables de rester dans la place, nous, dans la position. T'en prie, s'il te plaît, fais-nous grâce. T'as décrit nous. Nous prions avec faiblesse, nous, mais surtout par position, nous, dans Jésus-Christ, les mêmes qui vivent pour la gloire de ton nom, avec dans l'unité du Saint-Esprit, des avant tous les temps et au siècle des siècles. Bon Dieu béni. C'est une année qui annonçait la couleur. Ce n'est que hier, il y a raconté 30 cas d'assassinat en 8 jours. Donc c'est peut-être avec très dignon et pas sans très dignon. C'est peut-être l'année la plus méchante que peut-être nous va connaître dans l'histoire peuple. En 8 jours, 30 cas d'assassinat. En 8 jours. Sans compter les enlèvements, les autres cas, mais officiellement, dans les journaux, en 8 jours, 30 cas d'assassinat. 30 cas d'assassinat en 8 jours. Est-ce qu'il y a une raison pour nous camper devant mon Dieu? Est-ce qu'il y a une raison pour nous camper devant mon Dieu? C'est vrai qu'il y a une grande inquiétude. Que ce soit vous autres, pères de famille ou mères de famille, responsables religieux, il y a une grande inquiétude. C'est un bon pays comme ça pour avoir mon espoir, un bon pays comme ça pour coller mon bon Dieu. En dans société comme ça pour dire monde qui est là bon Dieu connaît qui est là bon bagaille qu'a fait faut gagner en pile audace faut gagner en pile audace l'audace de la foi et même content ouais c'est il va premier message moi pour dans c'est deuxième il va premier on était là premier jour de l'année ensemble, 1er janvier, c'est vrai, on était si fatigués, mais les fatigues sont encore là. On va prier pour nous parce que dans la semaine, on a déplacé pour nous le Tigouave, pour nous demander de côté de la. C'est l'interrogation la plus forte. Travaille pour Jésus dans le voyage. Moi, je travaille n'importe comment ça. Des fois, nous chantons, mais nous ne pouvons pas vivre la réalité. Amen, peut-être moi. Moi, je suis un petit goave. Aller pour prédication et séminaire.
l'église Actes des Apôtres de Petit Goave, dirigée par Pasteur Mac. Baltigouave. Baron Côté m'a passé. Côté m'a pas la voilà, Baron Côté m'a passé, mais tout ça me connaît Baltigouave. Sa nan prezans li, na chita nan piye li, e li va, sa li di, nou pral kote, san pe, le et a la prédication. Frères et sœurs, les quatre premiers livres du Nouveau Testament, ce n'est pas un placement chronologique sans importance. Et pas sans raison historique, c'est pas sans raison spirituelle. Ce n'est pas sans raison théologique qu'on commence le Nouveau Testament avec les évangiles. Ce n'est pas sans raison spirituelle, ce n'est pas sans raison historique, ce n'est pas sans raison théologique qu'on commence le Nouveau Testament avec les évangiles. En plus d'une fois, comme dit derrière, c'est ça, que les évangiles, c'est comme radiographie de la personne de Jésus. C'est comme radiographie de ce grand personnage qui répond au nom de Jésus-Christ. D'où, c'est pour cela, il y a un grand prédicateur qui dit les évangiles sont considérés comme étant l'acte de naissance de Jésus. Pas l'acte de naissance de Jésus-Christ, mais l'acte de naissance de Jésus. Mesurez-moi, vous êtes capable de comprendre ça, me dire. Parce que Christ là lui-même, il va sortir sous la terre. Christ a un rôle sorti. D'où, le Christ est éternel. Et ça fait Christ n'a pas de camour, oui. C'est Jésus. D'où les évangiles sont considérés comme étant l'acte de naissance de Jésus. C'est amusant, le premier des évangiles qui répond au nom de Matthieu, qui premièrement c'est le premier livre dans le Nouveau Testament d'une manière chronologique, c'est aussi le premier des évangiles d'une manière chronologique, c'est aussi le premier des évangiles synoptiques. Lui-même lui prend responsabilité pour lui porter Jésus dans... Non, ça nous relève une royauté. D'où c'est la responsabilité de Matthieu. Présentez-nous Jésus-Christ comme étant roi des Juifs. C'est pour cela, si nous suivons avec lunettes aux yeux, ou bien si nous faisons lecture en importance de ça nous relève. Texte initial, Matthieu, qui c'est Matthieu chapitre 1er, verset 1er, où après il commence comme ça, il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. D'où ce texte initial, il met sous tête Jésus-Christ deux chapeaux. Un fils de David, deux fils d'Abraham. Ça veut dire quoi? Être fils de David, ça lui donne droit de régner comme roi. Pourquoi? Parce que dans l'alliance davidique là, que nous jouons dans 2 Samuel chapitre 7, la promesse était quoi? Ou c'est une prophétie en termes de promesse, tu ne manqueras jamais un descendant sur ton trône. Donc être fils de David, son droit légitime, il gagne pour le roi.
Maintenant, être fils d'Abraham, en l'hypothèse, ça relève la bénédiction abrahamique. Donc, ce n'est pas seulement un roi, mais c'est un roi béni. D'où la promesse qui a été faite avec Abraham en Genèse chapitre 15, en c'était quoi? Toutes les nations de la terre seraient bénies en toi. D'où être fils d'Abraham, c'est la bénédiction personnifiée. Et c'est pour cela que Matthieu a pris le soin d'une manière classique de présenter ce qu'on pourrait appeler le projet de société de Jésus-Christ que nous trouvons en Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. D'où que certaines écoles de pensée relaient sermon sur la montagne. C'est un projet, son projet social. Donc c'est le projet du royaume. Donc si vous voulez être un pasteur de mon royaume, mes comportements pour gagner. Si vous voulez être un monsieur marié de mon royaume, mes comportements pour gagner. Si vous voulez être un prédicateur, etc., mes comportements. C'est un projet. D'où c'est si exigeant ce projet. D'où si l'évangéliste Matthieu nous dit qu'il est roi. D'où il a vanté sa royauté. Il a enveloppé Jésus de sa nourrice, un vêtement royal. Marc Paul fait autrement. Marc Paul dit même pas dit le paroi, mais il est un serviteur. Et c'est pour cela l'évangile de Marc est considéré comme étant l'évangile du service. C'est aussi le premier évangile écrit. D'où la note dominante de l'évangile de Marc n'est autre que Marc chapitre 10, verset 45, qui nous dit que je suis au milieu de vous, non pour être servi, mais pour vous servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup. D'où dans le principe christologique, le plus grand serviteur, c'est celui qui est au service des autres. Après, prends. Mais principe bon Dieu, le plus gros serviteur, le plus grand serviteur, c'est le monde qui met au service des autres. Et pas le monde qui a pour service, c'est le monde qui a pour service. Ah. Et c'est bien être serviteur de Dieu. Le monde ici va pas servir, puis qu'on doit déranger, pendant qu'on servir parce que c'est bon Dieu qui a servi. L'église va comprendre ça, me dit là. C'est ça qui fait, et ça qui va le permettre à ce qu'on ne pas décourager leur servir, mon parce que surtout servir haïtien. C'est quel que soit notre domaine, on servir haïtien, on va décourager, voir l'église. Moi, je dis, mon Dieu, merci trois fois parce que je ne vais pas pasteur. Comment je vais mener haïtien dans le ciel? Et puis, je me dis, je ne vais pas aller en aller. Parce que je ne vais pas aller. On t'a dit le pastorat li pa gen mandat gen moi m'vinn prêcho m'vinn dou gen ciel gen bon Dieu faut qu'on ait la foi pour aller là-dedans sou pral aller en aller moi sou pa pral aller m'pral kito parce qu'on pa kal kito non parce que ça va gen mandat pour aller kito. Au contraire, ou qu'a tellement fatigué, pasteur, c'est garder, parce que ça garder, pas aller, mais moi aller. Pas comme ça? Mais voyons l'image de Moïse. Moïse avait pour mandat de conduire le peuple de Dieu dans la terre promise. Et pour comprendre bien le leadership de Moïse, il y a son leadership de conviction, un. Son leadership de caractère, deux. Et son leadership personnalisé, trois. Il y a un leadership de conviction. Quand le peuple, en Exode chapitre 32, lui fait le veau d'or, d'où Dieu s'est révoqué en plein désert. Et c'est pour petit cas de révocation, parce que Aaron, le frère de Moïse, était complice. Donc, on a fabriqué un mensonge historique. Le peuple a fini de faire le veau d'or et puis on va présenter le peuple à bon Dieu. Les
présenté le peuple à Vaudor, parce que il a dit peuple d'Israël, mais bon Dieu te faut sortir en Égypte là. Mensonge historique. On a besoin de prier pour le pasteur en pile, et surtout monde qui est dans le cabinet pasteur, qui est dans l'environnement immédiat. Il a besoin de prier pour lui en pile parce que le peuple là doit arriver parce que ça va. Moi, je pas pasteur, je privé avant et sans vous même. Puis, pour Dieu dit, Moïse, ton peuple, pas mon peuple, non. Ton peuple a péché. Peuple, mon Dieu a dit, Moïse, ton peuple. Donc, qui ça, mon Dieu, fait ça, c'est votre responsabilité, Moïse. Donc, c'est votre peuple, c'est pas mon peuple. Il serait mon peuple dès qu'il est droit. Et chaque fois, il cochit ce peuple. Nous sommes responsabilité directe. Et puis, pour Dieu dit Moïse, est-ce qu'il ne m'a pas dit que je marchais avant jusqu'à la terre promise? Pour Dieu dit, je toujours arrivé avant dans la terre promise. Mais pas moi-même, son ange, m'a voué. Voilà le caractère de leadership de Moïse. Moïse dit, je ne vais pas dire ange avec vous. S'ouvrez ange, je ne vais pas aller. Mais que condition moi-même avoir pour mener un avec le peuple ça. S'ouvrez ange, moi je ne vais pas aller. Maintenant, si vous ne pas retirer le péché, le peuple a retiré l'homme dans le livre de vie. Un leadership de caractère. Donc, on a demandé mon Dieu pour retirer l'homme. D'où Moïse réclame l'enfer pour sauver son peuple. Je prends. Moïse réclame l'enfer. Retirer le nom dans le livre de vie, c'est une réclamation d'une sanction éternelle. Et pas retirer le nom pour ne pas entrer dans la terre promise. Retirer le nom dans le livre de vie. Donc c'est une réclamation d'une sanction éternelle. Envie de sauver le peuple. Et puis l'histoire nous dit que Moïse gardait la terre promise en face. Et puis en Deutéronome, bon Dieu parle dit Moïse et prier pour un remplacement. Parce que vous-même, mon papa. Et ça, quand je me fais pasteur, faire colère, personne ne va entrer sous moi. Il y a madame qui va montrer son vieux mari qui fait ça. Plutôt pas de marier, petit. Ah, bon, qui amène peut-être. Oui. Plutôt pas de marier, nous devons entrer. Il y a son temps ici, balayé. Qui est ce mariage là? C'est une chemise lavée, repassée, coquée. Au moins, nous autres, l'église à 10 ans, je ne mange écoute. C'est ce mariage là. Si un garçon qui a fait tout ça, oui, ça va le. Pas de problème. D'où l'évangile de Marc, c'est l'évangile du service. Je suis au milieu de vous, non pour être servi, mais pour vous servir. Ma pauvre fenêtre, ma femme est rapide. Respectez les gens qui ont servi. Ah, frères et sœurs. Je dis un bagaille pour toute année. Je dis respectez les gens qui ont servi. Les gens qui ont servi là, ils mènent un combat pour vous derrière. Les gens qui ont servi là, ils mènent un combat pour vous abdominaux. Les gens qui ont servi là, ils mènent un combat pour vous même au travail. Les gens qui ont servi là, ils mènent un combat pour vous même à l'école. Les gens qui ont servi là, ils mènent un combat pour vous pendant ou même en camionnette, pendant ou même en voyage. Les gens qui ont servi là, ils mènent un combat pour vous perpétuellement. Amen. Il y a pas l'évangile Maclay ou l'autre, sinon il y a l'évangile de la source. Pour qui ça, il y a l'évangile de la source? Les trois autres évangiles, c'est dans Mac que vous puisez pour écrire l'évangile par exemple. Que ce soit l'évangile de Matthieu, que ce soit l'évangile de Luc, que ce soit l'évangile de Jean.
C'est le premier évangile écrit, l'évangile de Marc. Il y a un autre nom encore, l'évangile des miracles et des prodiges. On sait que c'est l'évangile qui picoute, mais c'est l'évangile qui portait Jésus dans des activités sociales sans précédent. Il y a taxé comme étant l'évangile de l'activité sociale de Jésus-Christ. D'où son ministère social. Sans tenir compte de votre foi, sans tenir compte de votre religion, sans tenir compte de votre capacité, sans tenir compte de votre personnalité. Et puis Jésus peut servir si bas. La personne qu'on nous nourrit. C'est l'évangile social. Et ça fait, en frère, c'est un chrétien qui est éduqué, un chrétien qui a une compréhension, un chrétien qui a cet esprit, il n'y a pas de figure de monde pour le rendre service. Donc, service, son produit social, son œuvre sociale. Ça ne peut pas comprendre qu'on crée dans un quartier, on ne peut pas comprendre qu'on crée dans un voisinage, on ne peut pas rendre personne service. Peut-être que les gens ne mourent pas de chrétiens, pas de salier par an. Ou pas de monde. Je dois aller en communion. Ou les gens qui ont un problème sur le quartier, non, nuit, si c'est machine ou qu'à dépanner, mettre machine au service. Oh, amen, peut-être moi, amen, peut-être moi. Amen, peut-être moi. Peut-être. Bon, jeune fille qui a gaspillé sous quartier, il n'y a pas l'église, non, mais on a aidé le pays, on a aidé le pays, l'école, on a fait ça. Si on ne pas dire l'église, si on ne pas dire Jésus. Amen. Mais moi, je m'approche, peut-être que je m'approche. Je vais tourner sur Luc en Jean, le quatrième des évangiles, d'une manière chronologique. Lui-même le fait autrement. C'est l'évangile de l'éternité. C'est l'évangile de la divinité. C'est aussi l'évangile de la perfection. C'est lui qui présente nous les sept Jésus de Jésus-Christ. Ça, où est la marque la plus puissante de sa divinité. Je reprends. Les sept Jésus de Jésus-Christ est taxé comme étant la marque la plus puissante de sa divinité. Je suis le chemin, je suis la résurrection, je suis la porte avant qu'Abraham fût. C'est la marque la plus puissante de sa divinité. C'est pour cela, c'est l'évangile de l'éternité. C'est aussi l'évangile de la parole incarnée. La parole qui s'est faite chair. La parole qui était Dieu et la parole qui est Dieu. Et pour certaines écoles de pensée, c'est l'évangile de la grâce. Et il y aurait là tout l'évangile de transition. Pourquoi l'évangile de transition? Le texte de Jean chapitre 1er. Verset 17 nous dit que la loi a été donnée par Moïse. Voilà la transition. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est l'évangile de la transition. C'est aussi l'évangile de l'humilité. Connaissez-vous l'histoire de Jean-Baptiste dans cet évangile? Évangile de Jean. Pendant que Jésus passait en voyant Jésus, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et puis, voilà l'humilité. Il faut qu'il croisse et moi. Mais non, en fait, c'est ça, l'évangile de Luc, c'est ça où elle est. C'est l'évangile qui pipe près dessus dans quatre évangiles. Je dis, c'est aussi une portion scientifique. Ma préparation, je dis, c'est l'évangile scientifique. Pour qui ça? Parce que non, Luc lui-même lui dit que il m'a semblé bon de faire des recherches. D'où Luc parlait des recherches, la science. D'où les faits que Luc a exposés
Or, il dit qu'il y a deux grandes sources. Il dit qu'il y a deux grandes sources. Il dit Luc t'a questionné Marie, la mère de Jésus, pour écrire l'évangile. Et Luc t'a obligé de descendre dans la cour d'Hérode. Hérode, pour la comprendre, les jugements de Jésus-Christ pour écrire l'évangile. D'où il dit que son évangile qui présentait avec un personnage historique qui est Théophile, qui semblait signifie ça me dit nous en Théos et Philios, ami de l'évangile. À le quoi, pour nos frères et sœurs, en lui présentait nous l'humanité de Jésus-Christ. Il nous dit que c'est le fils ou le produit de Marie et de Joseph. Et c'est l'évangile ça qui définit mieux la mission de, du fils de l'homme. Il dit nous que, car le fils de l'homme est venu, faire quoi? Chercher et sauver. C'est l'évangile qui définit mieux la mission du fils de l'homme. Il est venu pour chercher. Deuxièmement, sauver, mais sauver par ceux qui étaient sauvés, mais ceux qui étaient perdus. Suivons. Le chapitre 21, côté nous sanctionner le thème noir, il y a deux grands paramètres. Vous comprenez? Il y a deux grands paramètres. C'est premièrement l'offrande de la veuve. Et ensuite, à le quoi ou non, il y a une portion eschatologique qui commençait du verset 5 jusqu'au verset 38. Ça a eu le discours sur le mont des Oliviers. Un, c'est deuxièmement la parole de la vie. Deux, c'est troisièmement la constitution chrétienne. Donc c'est notre. Mais non! Avant nous, il veut camper devant bon Dieu pour nous pas victimes. Nous considérons les éléments clés qui capables de permettre à ce que vous restez debout. Avant de nous expliquer qui ça veut dire, dans le contexte, passage là, nous pouvons faire un petit travail d'ensemble pour permettre à ce que vous pas seulement édifié, mais vous éduquez. Je veux sortir avec un bagage en plus. Bien dit, je vais l'efforcer. Je vais l'efforcer. Mettez en terminant en deux passages liés. Avec éléments qui entourent le lieu. En première considération, le verset 36. Que nous t'es affaire ou bien nous affaire encore jusqu'à assoir avec le premier mouvement de ce verset nous dit veillez donc. A remarqué le premier mouvement pas du campé. Donc le premier mouvement l'hypothèse par nous en exhortation, ça nous est capable de non l'autre langage, la vigilance chrétienne. Donc il faut être vigilant, veiller. En plus, ça, c'est produit qui pourrait permettre à ce que ou que substance nécessaire pour camper. Il y a un monde qui pourrait le camper, ce monde qui a veillé. Oh.
Ce n'est pas camper pour camper. Mais sous camper, on ne peut pas veiller au cas courir. Sous camper, on ne peut pas veiller au cas fléchir. Sous camper, on ne peut pas veiller au cas chita. Sous camper, on ne peut pas veiller au cas quitter ça. Suis-moi, suis-moi. Maintenant, c'est camper dans une fermeté. C'est camper comme un soldat. Veillez. Allez quoi ou non, frères et sœurs? Un soldat qui campait s'il pas veillé, bon lui garde là ou bien le sujet en question qu'à victime. Hein? C'est comme une vigilance parentale. Un papa, malgré fatigue, lui, 8h du soir, mais une fillette qui peut pas entrer. Hein? Barrière pas qu'à fermer, porte pas qu'à fermer. Hein? Il n'est pas qu'à dormir non plus. Ah. Il est obligé à veiller. Ah. Et c'est ça, moi, avec pas fait. Nous chanter, mais nous pas veiller. Nous prier, mais nous pas veiller. Nous adorer, mais nous pas veiller. Nous faire mission, mais nous pas veiller. Parce que si tu as veillé, on va te faire bouche dans le bagaille. Si tu as veillé, on va te faire tripotaille. Si tu as. Ah. Cherchons mon godot la dit le vœu. Nous faisons un bruit dans notre tête, il dit le vœu. Nous jetons dans notre mâchoire, il dit le vœu. Bad doli, il dit le vœu. Suivez, suivez. Dans les évangiles, écoutez la voix de votre frère. Dans les évangiles, le mot veiller a une connotation christologique. Et ça a un sens propre à Christ. À peu près. Dans les évangiles, le mot veiller a une connotation. On peut connoter ça christologiquement. Et ça a un sens propre à sa personne, à ce qu'il fait. Dans le tableau eschatologique de l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 36, Jésus-Christ dit: veillez puisque vous ne savez pas ni l'heure ni le jour que votre Seigneur viendra. Ça fait un. Dans le deuxième jardin qui n'est pas le jardin d'Éden, mais a remarqué ces deux grandes figues, Éden et Gethsémani. D'où à Éden, Adam a échoué. À juste manière, ils ont arrêté Jésus. C'est deux bagages différents. Hein? À Eden, la foi est déposée. À juste manière, ils ont arrêté ton œuvre pour conviction. Oh. Oh. C'est deux bagages différents. Maintenant, les trois périmètres du jardin. Jésus est entré dans un jardin à 11 mois. Dans le premier mouvement du jardin, Jésus déposait 8 mounes. Dans le deuxième mouvement, il déposait 3 mounes. Le troisième mouvement, là, le poukol. 8 mounes sont déposés dans le premier mouvement. Dans le deuxième mouvement, il déposait 3 mounes. Jacques, Pierre, Jean. Nous avons fait partie des cabinets intimes. Ça voulait l'intimité de Jésus-Christ. Et puis il a avancé pour quoi? Et puis Bible a dit, là il priait. Et puis il tournait le jeune trois messieurs abdominaux. Je ne sais pas si vous connaissez une heure de temps, Jésus était passé à prier. Il tournait, il dit: monsieur, vous ne pouvez pas veiller avec moi pendant une heure. Nous ne pouvons pas faire Bible. Elle est nous plein.
On a fait digestion sur la Bible. La Bible nous pas fait. Maintenant, prétexte là, dans le contexte de la vigilance. Prenez le texte dans le contexte de la vigilance. Vous ne pouvez pas veiller pendant une heure. Donc, vous n'êtes pas vigilant pendant une heure. C'est pas le reproche, mais l'exhortation, l'encouragement, c'est quoi? Veillez donc, car l'esprit est bien disposé. Suivez-moi. Votre esprit est au service. Votre esprit est en prière. Votre esprit est connecté. Votre esprit lui amène des désirs de servir Dieu. Votre esprit dirigeant de la caillou à service là. Mais texte là dit la chair, FM. Donc, pour que l'esprit arrête un éveil du service, ma prière pour pasteur, pour que l'esprit arrête un éveil du service, parce que là c'est FM, c'est fait éprouver. Amen. Bonjour, ma gars qui est capable de déranger. Mais Mabdouli prend comme doctrine. Ou ka bouke rempli, ou ka bouke parler en d'autres langues, ou ka bouke, sou pa vle wap tombe quand même. Amen. Pour qui ça, je vais prêcher sur le jardin, mais je vais dire un bagage qui est fort. Pour qui ça, moment, pas de moment sommeil. Des moments, c'est pas dormir pour venir dormir. Et je vais vous dire une chose. N'importe qui vient prêcher là, mon abdomen qui t'a dormi. Pas levé. C'est des moments, des moments, faut connaître. Moment ça, un sommeil pas là-dedans. Parce que tant m'a qu'est malais. Donc, une jeune fille qui est en difficulté, une famille qui va le craser, une couple qui va le divorcer, c'est pas moment pour dormir, c'est moment pour faire. Et ça, Jésus devait dire, monsieur, c'est vrai, l'esprit nous bien disposé, nous chanter. Nous tenons convoi. C'est-à-dire, nous 12. L'esprit nous était tellement bien disposé, nous ne sommes pas disposé à aller vendre moins pour 30 pièces d'argent. Il n'est pas là. Mais l'esprit disposé n'a pas suffi parce que la chair. La question là, chère FM, ça, frères et sœurs. Élevez-vous. Quelque soit cette vie, nous avons ouvert tous les dépôts de la caille, et puis me dit, n'a pas les forces. Je ne vais pas venir, mais tous les dépôts sont ouverts. Je vais faire mes portes, je vais dire, frère Hens. Qui fait Hens? Ou vient prier avec, pas de problème. Tout le monde, tu vois, vous prier, vous prier. Il faut prier à un espace pour le sortir. Pour le... Écoutez, c'est peut-être la première fois que je dis ça, c'est pas bagarre, moi, mais on va pardonner. On va pardonner. Moi, t'as fait une étude à part, ça a eu les théologies du mariage. C'était des professeurs étrangers qui étaient venus ici. Nous avons bénéficié en bourse par un pasteur qui était professeur, qui était connu qualité, moi, pasteur Raymond. Je veux dire, Ernst, évangéliste, sont intéressés, sont études qui sont sérieuses. Nous avons bien bénéficié de ça. Et puis, là, nous avons dit, c'est seulement une fois par semaine, 12 heures de temps. Et puis, nous prenons ça. Et puis, nous devons voir que
ont fait une expertise de l'Ancien Testament. La première fois, je me dis ça. Je vais me faire parler de ma prêcher l'évangile, parler de tête. La particularité à ce qui ça, dans l'expertise de l'Ancien Testament, c'est des hommes de Dieu, des hommes fermes, des serviteurs de Dieu, ou c'est dit ouais, que c'est fuite de mettre d'eau à terre. Faut dire c'est pas des prières pour fille. Ok. Bon, fille a rien avant, l'envie j'ai tout. Veillez pour veiller. C'est dit pour dire tout, monsieur chrétien. C'est pour dire tout, m'gé pour me prêcher. Amen l'église là. Écoutez, est-ce qu'on a ignoré le ministère de la femme qui s'est conduit depuis en Genèse chapitre 2 jusqu'au plafond de la Bible? Comme si bon Dieu son égard, il est nous plus intelligents que bon Dieu vienne sur la terre prendre 12 garçons, pas pour nous filmer la médaille. Oh, mais comme nous plus fort que Jésus. Eh bien, Jésus t'a tombé. Hein? Ah, ok, ah, oh, amen pour tête, moi. C'est pas dit, je ne pas travailler à fin, non. Mais avec ce travail-là, c'est solide. Et vieux, oui. Oui. Ah. Je veux dire, l'esprit, c'est solide. Quand l'autre esprit va dire le cas, l'autre bagaille. Pour à fois que là cette petite fouille, même pas comprendre pour mon appeler le papa pour mes jeunes comme femme. Ah, bon non mon baou les tours étaient chanalité. Ah, ok, amen pour tête moi, amen pour tête moi, amen pour tête moi. Comme si comme une jeune fille l'église à avoir là, elle appelle tout papi. Et comment vous allez écrire pour dire parler papi? Même dans mes magies ça. Non, comment vous allez écrire pour dire parler? Qui va être papi, vous dites là? Ok, qui va être papi? Comment vous levez le mon frère? Aïe, aïe, aïe. En fait, c'est une âme. Ma propre, c'est les premières âmes qui permettent au campé ou sont monde vigilant. C'est les âmes qui permettent au campé ou sont monde qui. Gardez le renforcement. Le texte ne dit pas veillez, veillez donc. Maintenant, qu'est-ce que ça, cet esprit fait dans le texte là? Il lie ces deux thèmes, ces deux thématiques, il lie ensemble. Veillez donc et priez. Seulement veiller nos vigilances, mais mettre nos relations. Après quoi? Pas seulement veiller notre capacité, donc pour me garder cette capacité de vigilance, mais de mettre nos relations. Prier, c'est une relation. Là, depuis on a prié, Chanel. Parce que de vous pas prier au écarton de mon Dieu, de vous pas prier au loin de mon Dieu, c'est le bagage qui est le plus près que mon Dieu, c'est pas chanter, c'est prier. C'est prier. Donc, c'est pas en matière de capacité. Veillez à
avec une vigilance chrétienne. Si ça veut dire toute sa Bible a dit pour ne pas faire comme bagaille qui pas bon, pas faire, mais pour ne pas faire, il faut mettre nos relations. On peut être moral sans être honnête. C'est pas un élan philosophique. Nous jouons qu'à moral et pour pas honnête. Ya? Yeah? Pour qui ça? Ça va permettre une petite démarche alors que ton petit Jean coûte. La moralité a une définition philosophique. Je ne parle pas de la moralité chrétienne. Donc, je parle de la moralité construite. Ça, c'est les théories de relativité. Quelqu'un qui a construit sa propre morale. Ah. Et à partir de cette construction, il doit dire, je ne vais pas prendre ma dame, il doit dire, je ne vais pas voler, il doit dire, je ne vais pas faire ci, il doit dire, je ne vais pas faire ça, et puis il va honnête. D'où est-ce que fait? D'où pas un bon monde sans bon Jésus? Pas un seul bon monde sur la terre sans bon Jésus. Tout bon pasteur a son bon Jésus. Tout bon madame, non, son bon Jésus. Tout bon mari a son bon Jésus. Non, 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 son bon Jésus. Pas qu'un bon monde sans bon Jésus. Amen. Nous, c'est Jésus pour un don pour bon. C'est pas seulement veiller en matière de capacité, en termes de vigilance chrétienne. Veillez pour ne pas tomber dans l'adultère, veillez pour ne pas mentir, veillez pour ne pas faire ci, veillez pour ne pas faire ça, pour ne pas faire, il faut mettre nos relations, prier. Donc ces deux termes sont liés, veillez et prier. D'où, dans le contexte de votre terme, dans le contexte de ce texte, je ne vais pas marcher sans l'autre. Si je vais veiller, c'est pour me prier, je vais prier et pour me veiller, et pour me continuer à veiller. Si je vais veiller, c'est pour me prier, je vais prier, c'est pour me continuer à veiller. Et ça ne fait pas des vacances chrétiennes. Le chrétien ne peut être en congé. On va dire, tu as bien ça, m'a dit là. Ce n'est pas le congé physique, non, en termes de repos, mais en termes de consécration. Que tu n'as pas qu'on l'est pour le dire, bon, c'est 24 décembre, bon, font-il la go. Ok, amen pour d'être moi. Non, je suis boire pour me souhaiter, pour me coucher. Et ça te dit, Timothée. Paul dit, pour le problème de ton estomac, tu prendras un peu de vin. Timothée boit jusqu'à ce qu'elle soit. Le Paul apprend une bagarre là, rapidement, dit Timothée. Au contraire, soyez rempli. On lui a rempli de vin, on lui a rempli de tafia. Soyez rempli. Ah. Maintenant, voyons, pasteur. D'abord, je suis avec vous pour votre éducation et votre. Maintenant, voilà l'entrave. Ça me soit dit un peu plus haut. Veillez et priez en tout temps. Pas de particularité. Oui, en tout temps. D'où dans le chronos, dans les hymnes. D'où le temps qui est alloué à nous. Le temps qui est alloué à nous. Le temps qui passe les hymnes. Et le chronos. Veillez en tout temps. Nous, chrétiens, pas une période pour prier, il pas une période, non, c'est en tout temps. Maintenant, si on fait herméneutique, on interprète le texte, c'est l'idée de la persévérance. C'est pas être persévérant d'un dimanche à un autre, d'une étude à une autre, d'une mission à une autre, d'un réveil à un autre, mais c'est être persévérant d'une conviction jusqu'à ce que je vive dans l'éternité. Amen. Le texte dit en tout temps. Maintenant qu'on est là, on va entrer dans le thème pour dire camper devant mon Dieu, pour pas victime, non. C'est pas camper pendant une période,
pendant que Haïti est en danger, pendant que kidnapping a fait rage, pendant que les bandits sont en rendez-vous. Non, qui te dit l'ouga ou m'a veillé, m'a prié, m'a campé. Ah. Qui te dit bandit, pas guéri, m'a veillé, m'a prié. Je viens de brûler. Donc, c'est être debout en tout temps. Ah oui, le corps peut être en repos. Qui donne une bonne illustration christologique pour capable comprendre mieux ça, même du nous. Même le corps en repos, tellement de provisions en don, pour nous prendre repos, on est capable de sauver le monde. Dans Jean chapitre 4, le texte l'a dit, Jésus a reposé bon piscine, bon puits samaritain. Reposer, le repos du corps. Mais être en repos, ça ne veut pas dire écarter des provisions qui sont dans là. Ça veut dire que les provisions qui sont à l'intérieur de toi sont en repos aussi. Non. C'est le corps qui est en repos. Mais l'esprit en donnant à mouvementer. Bon Dieu, quand donnant la mouvementer. C'est le corps qui est en repos. Mais la sanctification qui est à l'intérieur de vous et que vous êtes en train de conjuguer est au service. C'est le corps. Oui, le corps. Quoi qu'a fatigué, moins dehors, depuis à 11h30. Ok. Je suis fatigué. Il y a des gens qui sont dehors depuis. À 8h du matin, ils ne peuvent pas la caillou. Ils sont fatigués. Le corps est en repos. Mais l'esprit. Bon Dieu, quand nous là. Et ça fait dire être debout. Qui est-ce que je ça? A remarquer, Texas, c'est un bagage qui est capable d'entraver Texas. Ce n'est pas debout devant Christ. C'est debout devant le Fils de l'homme. Maintenant, il y a des explications à cela. La première explication, c'est quoi? Suivez-moi. Être debout devant le Fils de l'homme, c'est paraît-il qu'être debout devant son humanité. Parce que l'expression « le fils de l'homme » se traduit comme étant le produit de Marie et de Joseph. C'est la première explication. La seconde explication de cela, être debout devant le fils de l'homme, c'est être debout devant son sacrifice. Car c'est le fils de l'homme qui a fait le sacrifice. Donc l'offrande était l'offrande de Marie et de Joseph. C'est être debout devant son sacrifice. De chaque fois camper, ça rappelle ça, mon Dieu, de passer pour camper. Hein? Combien de monde a veillé? Combien de monde a prié? Et combien de monde a campé? Je me rappelle le texte du pasteur Peterson. Il est midi, minuit en Haïti. Il est midi, minuit en Haïti. En plein jour, il fait noir. Et 8 jours déjà, 30 cas d'assassinat. Une société qui part en guerre avec d'autres nations. D'où, pour répéter avec David, c'est vrai en Californie que vallée ça existe, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Non seulement il existe en Californie, mais il existe aussi en Israël, la vallée de l'ombre de la mort. Haïti sont vallée de l'ombre de la mort. Mais sous campé, ou dit Valéa, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, repose. Ah.
sous campé. Ou dit méchant, toutes les nations m'environnaient. Si vous êtes debout, si vous veillez, si vous priez, ou dit méchant, tu me poussais pour me faire tomber. Et bien la mienne remarquait qu'elle poussait. Elle a pour comprendre la Bible. Mon Dieu, qui t'a poussé? Maintenant, l'intention de bousculer là, c'est pour te tomber. Ah. Il n'est pas poussé pour papi le tata. Il n'est pas poussé pour épanouir un trou. Mais l'intention, Bible à bail, texte à bail, l'intention, tu me poussais, hein, pour faire quoi? C'est pas pour m'excuser en saleté. C'est pas un trou pour m'excuser. Mon poussé pour me tomber. Comme m'a veillé, comme m'a prié, comme m'a campé l'éternel. Vous le comprendre que, à le croire ou non, vous êtes bousculé. Et l'aile m'a gardé le levé 1er janvier. Bible non, mais on le garde tout bon, c'est où qu'a sauté l'église là? Et ça fait, je vais ça une grande importance, suite toute l'église qui va être prémisse de la prière. Prémisse de la consécration, prémisse de l'adoration, prémisse de l'orange, prémisse de votre personne pour venir camper devant vous pour dire Seigneur, je comprends. Et le mieux possible, tu as chité parce que ou pas de bail Kaila, parce qu'on pas de bail mariage, parce qu'on pas de bail machine, non, parce qu'on pas de bail visa, mais qu'on ne peut pas comprendre, nous bail la vie et la vie en abondance. Parce que personne maintenant tait tout que observe mon Dieu ça le fait pour observe mon Dieu le bon espérantiel et moi je ne peux pas la voler et pas des femmes c'est moi qui ne peux pas la voler et pas fantôme c'est moi qui ne peux pas la voler c'est pas l'ombrage moi parce que mon ça le fait pour me battre là mon ça le qui plante monter pour me battre là. Ou pas qu'on a un monde coupé face à avoir, il dit, ma prends. Je te lis la voix comme ma tante. Je dis, ouais, moi-même, pas jamais personne sur la tête. Place mon Dieu dans la vie. Jamais servi. On est comme je ne sais pas. Moi-même. Pas jamais personne place mon Dieu sur la tête. Maman me fait 16 petites. 14 bons petites, 2 mauvaises couches. Nous deux seulement Haïti. Bah j'en flatte personne. Bah j'en personne place mon Dieu dans la vie. Et écoutez. Où font une année ou pas contre si je vive? Comme si je figure, ou après le 1er janvier pour dire bonne année, moi-même. Et 364 jours. Comme si bon Dieu finit même 364 jours. Quand il y a un bon grand jour quand il y a un baoul. Soit réglé pour 364 jours. Qu'on a fait figure bien dit, et les soins sont yogés frères. Non, mon Dieu. Kembe 50 dollars là. Kembe 100 dollars là. Parce que pendant 364 jours, il y a un monde qui te campé, qui te ferme sortir, m'entrer, te ferme coucher, me lever. Il y a un monde qui te paye là. Il y a un monde qui te prend soin. Je vais mettre le derrière pour me gloire. Je vais mettre le derrière pour me place là. Campé. Camper, camper pour dire ça mon Dieu fait pour vous. Camper pour parler de persévérance. Camper pour parler d'expérience. Camper pour parler de l'éternité. Camper pour parler de qui monde mon Dieu est. L'église camper pour témoigner nos bon Dieu dans Kafoua. Pour témoigner nos bon Dieu sur les réseaux. Pour témoigner nos bon Dieu dans la famille. Camper, dis mon Dieu la grand. Camper, dis mon Dieu la merveilleux. Camper, dis mon Dieu la caguerie. Camper, dis mon Dieu la décrasé ce qu'elle là. Camper, dis mon Dieu la dépanné. Camper, dis mon Dieu la dépanné de accident. Camper, dis mon Dieu qui faut mourir. Camper, dis c'est après mon Dieu. Camper, tous ces représentants, bon Dieu. Camper, tous ces fantômes, bon Dieu. Camper, tous ces merveilles, bon Dieu. Camper en Haïti, dis c'est mon Dieu, bon Dieu.
camper. Ce n'est pas seulement camper pour la cause spirituelle, mais camper aussi pour dire maladie, pas de pouvoir sur quoi ça. Camper aussi pour dire démon, pas de place pour vous, non comme ça. Diable racial, pas de place pour vous, non comme ça. Camper. Et Linda a campé pour combien de temps? Texte a dit pour tout temps. Ça veut dire, s'il dit pour tout temps, dit ce que texte a. Parce que nous devons faire la Bible, il faut faire avec l'esprit, mais avec l'intelligence de Dieu. S'il dit pour tout temps, c'est dans le bon temps comme dans le mauvais temps. Il faut nous camper. Nous ne pouvons pas un jour nous camper, nous ne pouvons pas un jour nous suspendre de camper. Nous devons manger, nous devons camper. Nous devons manger, nous ne pouvons pas personne avec nous sur la route là. Parce qu'elle chante, elle dit, si nous devons aller seul, toujours. Adam courut pour grand goût, n'a pas compris. Harry quitte ça. Elle m'y a frappé. Elle a bloqué Matisson. Bataille passée par là. Elle a touré le président. Elle a mis fait noir dans le pays à midi. Yo ba nous l'autre l'école. Quand groupe font complot sous deux pays ça. Je t'aime. L'aime sorti ici à 1er janvier à 3h du matin. Je prends le soin pour me parler avec Lala et Neyou et Fafan. Depuis vers les midi dans le 31 décembre, parce que je me suis dit que je suis fatigué, etc. Et c'est difficile, je passe au 1er mauvais janvier. Je me suis ici à 3h du matin, mal dormi, je me lève à 1h. Je me suis ouvert le téléphone pour me dire qui est-ce qui a pris le vin de Bessou. Je suis très sérieux dans ce que je me dis. Et là, je n'ai aucun appel. Et puis, mal dans le restaurant, mal mangé. Vers les 2h. Mange un cabrit. Il a mangé cabrit là. Cabrit même. Cabrit là, tout en cabrit, j'en vivant. Depuis dans le restaurant, il y a un vomissement, Diary. C'était vraiment compliqué. C'était une journée. J'étais vraiment basculé. Et puis, je viens de paix manger. Je dis quête. Puis, il m'a réfléchi, il me dit bon. Comme je suis sorti de janvier, je vais couper Djaria. Ben, je vais couper Djaria. 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 Il dit, papi, bonne année. Il dit, merci, chérie. Et puis il dit, papi, il y a deux bagailles, Mabjo. Il dit, il y a une bagaille qui fait mal. Tout le temps, si mon école, il dit, écoute, papa, il n'y a pas de papa. Et photo, il m'a montré, il dit, j'ai un beau papi. Il est énorme, élégant. Il m'aime, etc. Mais il dit, discours. Il dit, ce qui est effrayant, non, ça m'a fait ce coup-là. Il y a une photo qui ressemble à l'autre. Donc on dit, bon, il va voir. Il y a une photo qui me fatigue. Je suis écrit mes photos. Oui, on va comme ça. Bon, on va comme ça, non, je suis écrit mes photos en pile. Debout, Messia, tu es ma photo.
Il faut me faire fatiguer, il faut me faire. C'est la première bagaille. Deuxième bagaille, il dit, je me plains en pile, mais je ne vais pas tout ça. Il dit, je suis en vie. Il dit, si je ne vais pas vous nouvelle, je ne vais pas vous aller. Il dit, oui. Il dit, maman, si ce n'est pas camper, me décamper devant mon Dieu, et dans l'enfer, je vais aller. Et c'est l'étape que vous voyez dans l'enfer. Je ne sais pas qui sont. Je ne sais pas qui traverse. Mais camper. Je termine. Dans la fournaise, les trois jeunes hébreux étaient debout. Apprendre à camper dans la déception pour servir mon Dieu. Apprendre à camper dans la souffrance pour servir mon Dieu. Apprendre à camper dans l'amertume pour servir mon Dieu. Apprendre à camper dans la déception pour servir mon Dieu. Apprendre à camper envers contre ça au dessous. Apprendre à camper envers contre la société. Apprendre à camper envers contre le pays. Apprendre à camper envers contre la faim. Apprendre à camper envers contre la nudité. Apprendre à camper envers contre le chômage. Apprendre à camper envers contre le mariage. Apprendre à camper envers contre la faim. Le fiançailles. Apprendre à camper pour servir mon Dieu. En tout temps, en tout lieu, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque période, chaque saison. Camper, sans vous pas camper, camper. Marie Pablo, camper, camper pour servir mon Dieu. Pour qui ça vous me camper, pasteur? Seul moyen pour l'aube le couvrir, c'est camper pour me camper. Seul moyen pour me barrer Satan, c'est camper pour me camper. Seul moyen pour diable qui a gaspillé jeune fille, gaspillé jeune garçon, gaspillé mariage en Haïti, a pas gaspillé, c'est camper. Chacho mon côté là dit le camper. Font bruit dans ta lit, dit le camper. Camper. Avec camper nous chanter, debout c'était corot. Camper et chanter, camper nous chanter, debout c'était corot. Camper et chanter, camper, chanter, debout c'était debout, debout. Debout, c'était corot. Soldat du roi des rois. Tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. Dans le bruit d'enfer, il mène qui les suit. Debout, debout, pour la bataille. Partez, n'hésitez plus. N'hésitez plus. Pour que, mille défailles, regardez à Jésus, de la nuit, de la nuit, vers. Soldats, revêtez-vous. Soldats, alléluia. Les triomphes impossibles. Enfer possible pour qui lutte à genoux. La trompette résonne. Debout, vaillant soldat, pour que l'hymne. Des combats, si l'ennemi
faire. Soyez ferme et fort. Ferme et fort. S'il redouble d'efforts. Avant de nous chanter la dernière strophe là, dans ma porte en précision pour de sa fête là. Mais nous chanter la dernière strophe là et puis nous allons toiler. Pendant ce qui a parlé terminé, l'Esprit de Dieu depuis que je prends le micro, fait au campé, chanter quand il y a ça. Je saisis, ouais, les. Pour laisser confirmer, c'est ça m'a médité. L'aime prendre le micro, faire camper et puis chanter cantique ça. À mon grand étonnement, même l'esprit a communiqué ça, il dit le même parole là. Il faut même camper avant de prendre le micro pour chanter cantique ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que laisser une parole comme prescription. Pour terminer cette activité, laissez la parole comme prescription. C'est-à-dire, vous devez être très vigilant. Donc, laissez la parole comme prescription. Et ne pas faire plus de bagaille, ne pas faire l'autre bagaille. N'a pas chanté des dernières strophes là. Et puis, vous mettez à l'air. Et me déclarer sous la vie ou déjà. Amen. Amen. Moi déclarer sous la vie ou déjà. Puisque nous baillons, mon Dieu, prémisse. Année. Moi déclarer ou pas que pendant l'année ça. Dans tout ça, va entreprendre, c'est pour premier. Tout ça, va entreprendre, c'est pour devant. Tout ça, va entreprendre, c'est pour réussir. Puisque vous parlez, mon Dieu, premier, et bien tout ça va entreprendre. Alléluia. Pelaba chaka. Pendant Anessa, c'est pour réussir là-dedans. Et déclarer, puisque vous parlez, mon Dieu, premier, Nanea, tout piège est bien tonne pour vous. Tout vieux plat est bien fait pour vous. Pendant Anessa, je déclare, vous échouez. Puisque, alléluia, nous baillons Dieu première semaine non. Et me déclarer ou pas victime pendant l'année ça. Ou pas victime pendant l'année ça. Ou pas victime. N'a pas chanté une dernière strophe là trois fois. Et puis sur troisième fois, et pour mettre à l'air. À demain soir. Debout, encore. L'idée jusqu'au matin. Pas oublier ça. Alléluia. Déjà, oui, à l'horizon lointain. Bientôt, j'entends ça. Au pied du roi de roi. Au pied du roi de roi. Les chants, après les là. Les trônes après la croix, les trônes après là. En deuxième fois, debout, ah. L'idée jusqu'au matin, déjà brillé l'or. À l'horizon lointain. Bientôt, j'entends. Au pied du roi des rois. Au pied du roi des rois. Les chants apprennent. Quand on met cherche au monde, balle et puis on met tout dans la pluie, on met aller. Troisième fois, Debout, tout le monde après la caillou en mieux. Déclare, en sécurité. Oui,
puissant. Bientôt, j'éteins nos armes. Oh, tu vas Après la croix,